Cher journal, voilà plusieurs années qu'avec mon mari, nous essayons avec désespoir de concevoir la vie. C'est très difficile pour nous, car j'enchaîne les fausses couches. Nous commençons à perdre l'espoir de pouvoir avoir un enfant un jour. Nous avons décidé d'essayer encore une dernière fois. Peut-être que cette fois-ci sera la bonne. Jour 7. D'une main tremblante, j'ai tenu le test de grossesse. Mais seulement une des lignes était faiblement visible. Je me sentais mal. C'était encore un échec. Je me suis tout de même rendue à l'hôpital pour voir si on pouvait trouver une solution à tout ça. Le docteur a dit que les tests de grossesse n'étaient pas souvent très fiables et que le seul moyen d'être sûr que j'étais bien enceinte restait la prise de sang. Donc je dois rester positive. À l'heure actuelle, mon esprit est rempli d'un mélange d'anxiété et d'anticipation. Jour 9. Après avoir écouté le médecin, je suis allée faire une prise de sang hier. J'ai reçu les résultats aujourd'hui. J'ai l'enveloppe dans les mains, mais je ne l'ai pas encore ouverte. Je suis bien trop stressée. Oh, allez, je l'ouvre. Je ne sais pas trop à quoi correspondent ces données. J'appellerai le médecin demain matin pour être sûre. Jour 10. Bon, je viens de raccrocher avec le médecin. Nous avons étudié les résultats de ma prise de sang et mon taux hormonal s'élève à 86. Il a dit que c'était presque certain que je sois enceinte, mais que je n'étais pas à l'abri de faire possiblement une fausse couche spontanée. Il m'a alors prescrit une injection pour la prévention des fausses couches. Mon Dieu, après toutes ces années à attendre, je vais enfin avoir mon propre enfant parfait. Je ne peux pas perdre cet enfant non plus. Oh Dieu, s'il te plaît, accorde-moi ce privilège, je t'en prie. Jour 20. Après plusieurs tests, j'ai appris que mon niveau d'hormones s'élève à plus de 300. Mon mari m'a adressé un gros sourire de soulagement. Il est très heureux de la nouvelle. C'est officiel, je suis bien enceinte. Tout le monde nous a félicités avec enthousiasme. Merci Dieu d'avoir entendu mes prières. J'ai attendu tellement de temps pour avoir cet enfant. Je me sens comblée de bonheur. Jour 33. Aujourd'hui, rendez-vous à l'hôpital pour faire un bilan. J'étais très effrayée par les aiguilles, mais ce n'était plus le moment pour une telle peur enfantine. Plus maintenant. L'injection pour la prévention de fausses couches, l'injection d'immunoglobuline, l'injection de progestérone, etc. Je dois juste supporter tout ça pour le bébé. Si je supporte, alors j'aurai un beau bébé en bonne santé. Il faut que je continue à être courageuse et que je tienne le coup. Ce sera bientôt terminé. Ce n'est qu'une épreuve à passer et je peux le faire. Je dois le faire. Jour 45. Ça fait 8 semaines que je suis enceinte. J'ai pu voir le bébé clairement pour la première fois pendant une échographie. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Le médecin et mon mari m'ont regardé de façon bizarre quand ils ont vu ma réaction. Et peut-être qu'ils ne peuvent pas comprendre toute la joie que mon cœur exprime à ce moment même. Seul Dieu connaissait à quel point mon cœur pouvait être rempli d'émotions et de joie. Je n'ai pas pu le cacher. Jour 87. Grande nouvelle aujourd'hui. Le médecin m'a annoncé de préparer de petits vêtements mignons parce que c'est une fille. Je vais avoir une petite fille. Il n'a pas oublié de me dire à quel point elle est belle, bien sûr. Je trouve aussi. En même temps, comment une fille née d'une mère présentatrice de nouvelles et d'un père athlète ne pourrait pas être belle et intelligente? Mais est-ce que je m'avance trop? Non, impossible. Elle sera magnifique, j'en ai la certitude. Jour 98. Le surnom fœtal qui lui a été attribué est robuste. C'est ridicule. Je n'ai jamais aimé ce nom et honnêtement, ça semble grossier, surtout pour une belle petite fille. Mais la famille de mon mari a insisté pour lui donner ce nom par rapport à plusieurs raisons. Je dois avouer que j'ai été un peu en colère contre mon mari. Attristée par ce surnom dont elle a été affublée, j'en ai parlé avec plusieurs amies. Et elles m'ont expliqué que la famille de leur mari était devenue subitement fouineuse après avoir appris qu'elles étaient enceintes. Je me demande si la famille de mon mari va faire la même chose avec moi. J'espère que non. Jour 126. Ce matin, en me levant, j'ai été prise de douleurs abdominales infernales. Je me suis rendue aux toilettes pensant que j'avais une grosse diarrhée. Ça arrive souvent quand on est enceinte, mais finalement, ce n'était pas ça. Rien n'est sorti. Quand je me suis relevée de la cuvette des toilettes, j'ai été surprise de voir que l'intérieur était rempli d'un rouge vif. Je saignais abondamment, comme si j'étais en train de faire une hémorragie. Je suis devenue très pâle
et j'ai décidé de me rendre directement à l'hôpital, submergée par la peur. Ma plus grosse crainte était de perdre le bébé. Rien que d'y penser, ça détruisait tout mon esprit. J'ai été faire une échographie en urgence et, par chance, Dieu merci, le bébé et moi étions en bonne santé. Il n'y avait rien à craindre. J'ai eu la peur de ma vie. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de faire beaucoup plus attention à partir de maintenant. Jour 140. Je suis tellement heureuse de savoir que ma fille grandit sans avoir de sérieux problèmes de santé. Les mois sont passés tellement vite que c'était bientôt le moment de lui donner naissance. Par chance, je n'ai pas eu une grossesse difficile. Je sais que beaucoup de futures mamans ont des douleurs ou autres, mais ce n'a pas été mon cas. Et ça m'a porté peu, parce que l'amour que j'éprouvais pour ma fille était incommensurable. Jour 147. Ma fille est finalement venue au monde. Elle pesait 3,1 kg. Elle était magnifique, parfaite. La première chose que j'ai dit était un remerciement silencieux à Dieu. J'allais enfin rencontrer mon ange, ma fierté, mon futur, avec des mains tremblantes, tremblantes de bonheur. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai portée contre moi, la fixant du regard. J'observais ses yeux inhabituellement clairs et son petit nez adorable. J'étais tellement touchée que j'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Non, il ne fallait pas que je pleure. J'ai donc retenu mes larmes, sinon je savais qu'ils allaient me trouver tous bizarres. Jour 150. Les parents de mon mari n'ont pas arrêté d'insister pour que je me rende dans un centre de soins postnatal qui se trouve près de leur maison et qu'ils connaissent bien. Mais heureusement, mon mari a formellement objecté leur décision et j'ai été dans un centre de soins rattaché à l'hôpital où j'ai accouché. Dieu merci. S'ils avaient continué d'insister, j'aurais dû remettre une lettre de démission et partir avec eux. J'avais l'impression, à ce moment, que le monde et l'univers tout entier étaient de mon côté. Jour 153. Je peux vous dire qu'il n'y a pas une seule seconde où j'en ai eu marre de la voir tous les jours. En réalité, je voulais la voir plus. Je voulais la voir tout le temps. Je voulais la voir toujours plus. Je pourrais la reconnaître en un seul coup d'œil, même parmi les innombrables autres nouveau-nés. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ma fille est la plus belle. C'est peut-être pour ça que je suis autant jalouse quand d'autres personnes prennent ma fille dans leurs bras et l'embrassent. Enlevez vos sales pattes d'elle. Jour 160. Je sais que c'est mieux de continuer l'allaitement maternel et c'est ce que je voulais vraiment faire. Mais ils ont dit que mes seins n'étaient pas assez gros. Ça me détruit. Du coup, quelques vendeurs malins de fabricants de lait en poudre m'ont approché. Mais j'ai fermement refusé leurs produits. J'en ai parlé autour de moi. Et après avoir questionné le docteur et mes collègues, j'ai décidé d'étudier la question moi-même. J'ai sélectionné le meilleur lait en poudre qui soit sur le marché pour ma petite fille. C'est le plus cher de tous. Mais l'argent ne fait pas mon bonheur. C'est bien mon enfant qui le fait. Au stade actuel de son développement, je me dois de lui donner les meilleurs nutriments possibles. Je pense que n'importe quelle mère qui aime sa petite fille aurait fait la même chose. Surtout si elle veut que son enfant devienne fort et garde une très bonne santé. Jour 162. Tuberculose, hépatite B, diphtérie, polio, méningite, pneumonie, etc., etc. Les procédures de vaccination pour un bébé sont étonnamment compliquées. Il vérifie toujours pour s'assurer que le calendrier de vaccination est bien suivi et lui donne de nouvelles injections car on ne voudrait pas tout perdre à cause de l'inattention d'un moment. Bien sûr, ils m'ont dit que les chances pour que ça arrive sont infimes. Mais je ne peux pas tenter le diable avec le moindre danger. Jour 178. Elle a eu une coupure au pied. Ma petite fille s'est blessée. Ce n'était pas une petite blessure. Voir ma fille pleurer et s'accrocher à moi a fait bouillir tout mon sang. Comment ça a pu arriver? C'est une fille. Elle devrait porter des sandales en été. Alors pourquoi? Ce n'est pas de ma faute. Mais c'est difficile de contrôler cette rage. Attendez. Ce n'est pas de ma faute. Pas vrai? Jour 179. À chaque fois que je pense s'appeler, ma fille s'effondre au sol, pleurant et criant. Ça me fait mal de voir ça. Je commence de plus en plus à être certaine d'une chose. Alors oui, peut-être que c'est de ma faute. Peut-être que j'ai été trop négligente. Je ne peux pas blâmer ma famille. Ça ne changera absolument rien de toute façon. Le mal est fait. Jour 196. Aujourd'hui, examen régulier à l'hôpital. C'est à ce moment qu'elle a dit ses premiers mots. Je suis sûre que je les ai entendus.
Elle a regardé dans mes yeux en me cherchant désespérément et elle m'a demandé de l'emmener dans un endroit heureux dès que possible. Elle m'a demandé de prendre soin d'elle et de l'aimer. Bien entendu, personne sauf moi ne peut comprendre ce qu'elle dit puisque vous êtes tous des imposteurs, sans droit de la comprendre. Moi, je suis l'élu. Je suis sa mère. Personne ne m'enlèvera ça. Jour 239. Les choses étaient calmes depuis un moment quand, bien sûr, ma fille s'est disloquée le coude pendant qu'elle jouait dans la maison des parents de mon mari. Combien de fois devra-t-elle se faire mal pour qu'il réagisse enfin ? Réconfortant mon mari énervé, le médecin a dit de ne pas s'inquiéter, car ce sont des choses qui arrivent tout le temps. Il a dit que ce n'était pas une preuve de négligence ou autre puisque les enfants de cet âge sont très curieux et se font très facilement mal. Mais moi, je pensais différemment. Ces gens n'ont pas le droit de se dire parents, pas du tout. S'il vous plaît, arrêtez de maltraiter ma fille. Jour 278. Le problème avec tout ça, c'est quand j'ai essayé de retourner au travail. Les parents de mon mari ont décidé de s'occuper de ma petite fille qui venait à peine d'avoir un an. Ils voulaient l'emmener dans leur maison qui est si loin de là où je suis. J'étais tellement abasourdie que je ne voulais même pas penser à leur donner une réponse. Ces gens doivent perdre la tête. Comment osent-ils essayer de séparer une mère de son enfant ? C'est honteux et dégoûtant. Jour 300. C'était tard dans la nuit quand j'ai rencontré le médecin de service. Quand je lui ai expliqué la situation ridicule dans laquelle j'étais, il m'a adressé un sourire complice en me remettant facilement les enregistrements informatiques. Toutes les informations dont j'avais besoin se trouvaient là-dedans. Je ne voulais plus laisser ma fille dans cet endroit sordide encore plus de temps. Je n'aurais jamais dû la laisser aux mains de cette famille maudite. Jour 301. J'ai pris la décision de remettre ma lettre de démission à la direction. Forcément, la nouvelle est arrivée très vite aux oreilles de mes collègues. Ils ont protesté et ont argumenté en me demandant comment ils allaient faire pour me remplacer sur un tel poste en si peu de temps. Mais à partir de là, ce n'était plus mon problème. Débrouillez-vous. Vous pensez vraiment que je vais penser à quelque chose d'aussi trivial alors que ma fille est si loin de moi ? Jour 302. J'ai téléphoné aux membres de la famille de mon mari et je leur ai expliqué que j'avais quitté mon travail. Ils m'ont demandé pourquoi. Je leur ai demandé si je pouvais venir les voir un peu avant mon départ définitif. Encore une fois, ils m'ont demandé pourquoi. Je leur ai répondu d'une voix distante qu'il y avait eu une erreur médicale dont l'hôpital ne m'avait pas parlé. Nous avons donc rapidement convenu d'un rendez-vous pour nous rencontrer le lendemain. Attends un peu, ma chérie. Maman sera bientôt là. Jour 303. Ma douce, angélique, petite fille. Finalement, elle a dit son premier mot. Maman, c'est bien, n'est-ce pas ? Tu l'as dit, pas vrai ? Tu as toujours su qui était ta vraie maman. Un couple a été retrouvé assassiné à son domicile dans la nuit du 30 janvier 2022. Nous ne savons pas encore qui est l'auteur de ce meurtre sauvage, mais il semblerait que leur petite fille d'1 an ait disparu dans cet événement morbide. Les recherches de la police pour retrouver le responsable sont en cours. Nous vous donnerons rapidement des nouvelles quand nous aurons les informations nécessaires. Nous espérons sincèrement que l'enfant va bien. Si jamais vous avez la moindre information à ce sujet, voici un portrait robot de la petite fille en question. Nous étions enfermés là depuis tellement de temps. Je ne savais même pas quelle heure il pouvait être. C'est comme si le temps s'était distordu et que j'avais perdu sa notion. Assise par terre, recroquevillée sur moi-même, les larmes coulaient silencieusement sur mon visage. Pourquoi ? Pourquoi avait-il fallu que nous entrions dans cet endroit ? Nous avions quoi à prouver ? Tout ce que je savais, c'est qu'on était encore le même jour. Ça voulait dire que ça faisait moins de 24 heures qu'on se trouvait dans ce lieu. Ça a débuté en fin d'après-midi, après les cours. Petite précision sur ma situation actuelle, je suis une lycéenne de 17 ans et j'ai la même amie depuis le début du collège. Elle s'appelle Mafuyu. On était toujours ensemble. Elle était assez passionnée par tout ce qui était atypique et un peu effrayant. Il y avait ce bâtiment abandonné près de notre école et Mafuyu m'a proposé, d'un air innocent, si ça me disait qu'on entre à l'intérieur juste comme ça, pour rigoler. C'était un hôpital abandonné depuis plusieurs dizaines d'années. En tout cas, de tout ce que je me souviens depuis que je me rends dans cette école, ce bâtiment n'a jamais été viable, donc il était délaissé depuis avant mon entrée au collège. Allez, on entre ! Pas moyen. Ça a l'air hyper flippant comme endroit. Mais c'est effectivement le cas ! Et
Et c'est pour ça qu'il est d'autant plus intéressant. Quoi ? Ma Fouillou a couru vers l'entrée de l'hôpital abandonné. Je restais figée à la regarder se diriger vers le seul endroit dans lequel je ne voulais pas être. J'ai avancé d'un pas nonchalant en la suivant, comme par automatisme. Elle a posé sa main sur la poignée de la porte et m'a dit « Tu sais, tu ressembles à une sorcière. » Elle a ouvert la porte avec douceur. Tandis que l'intérieur sombre de l'endroit se révélait à nos yeux, elle a continué. « Mais tu es effrayée par tout et n'importe quoi. » « Non, pas du tout. » Nous regardions les alentours et la première chose qui sautait à nos yeux était ce comptoir abandonné, sûrement ce qui servait d'accueil aux patients à l'époque. Mon regard se posait sur chaque recoin de cette première pièce. Il faisait très sombre et mes yeux n'étaient pas encore habitués à cette obscurité soudaine. Ma Fouillou, elle, s'empressait de découvrir le reste du bâtiment et continuait sa route sans vraiment faire attention où nous mettions les pieds. Il y avait pas mal de portes verrouillées, mais elle finit par tomber sur une pièce ouverte. Elle passa sa tête par-dessus le contour de la porte pour vérifier s'il y avait quelqu'un. Mais par chance, nous étions seuls ici. T'as vu ? Il reste plein de trucs ici. J'imagine qu'ils ont dû prendre seulement les choses les plus coûteuses. Tu penses ? Oui, c'est même évident. Ça aurait été une trop grande perte d'argent pour eux sinon. Comme les autres endroits du bâtiment, il faisait très sombre et on n'y voyait pas à 2 mètres. Et je trouvais l'interrupteur pour allumer la lumière. J'appuyais dessus, et alors que le bruit de celui-ci retentissait dans un petit écho, rien ne se passa. Je commençais machinalement à insister et à appuyer plusieurs fois d'affilée sur l'interrupteur, mais j'avais beau m'acharner, aucune lumière n'apparaissait. La lumière fonctionne pas. Ils ont sûrement dû couper l'électricité avant de partir. Malgré la sombreur de cette pièce, nous avons décidé d'essayer de fouiller un peu. Il restait énormément de choses que les gens qui travaillaient ici auparavant avaient laissées. Au fur et à mesure que le temps défilait, nos yeux ont fini par s'habituer un peu plus au noir et on pouvait distinguer un peu mieux les silhouettes des différents objets à l'intérieur. On pouvait observer tout un tas de vieux tableaux qui étaient accrochés au mur, des tableaux chirurgicaux. Il restait de vieux produits ou médicaments dans les étagères, tout était très poussiéreux. Il y avait même des seringues au sol. Quant à savoir si elles étaient utilisées ou non, je ne pourrais jamais l'affirmer et je ne préférais pas m'en assurer. Après une bonne dizaine de minutes à traîner ici en quête de quelque chose d'intéressant, j'ai commencé à me sentir un peu effrayée. Je voulais rentrer à la maison. Bon, c'est juste un hôpital abandonné, il n'y a rien d'intéressant ici. Soudainement, j'ai senti quelque chose se coller contre moi. Quelque chose de froid et d'assez lourd. Je ne bougeais pas pendant ce qui me semblait durer plusieurs longues minutes avant de tourner quelque peu la tête vers ce poids. J'écarquillais les yeux dans un hurlement strident. Il y avait un squelette contre moi. Un squelette grandeur nature. Par automatisme de peur et sans réfléchir, je donnais des coups au hasard et en l'espace de quelques secondes, le squelette se retrouvait en miettes sur le sol. Essoufflé et me remettant de mes émotions avec du mal, j'ai entendu la chose suivante. T'étais pas obligée de le frapper comme ça ? J'ai observé ma Fouillou en train de rire aux éclats tandis qu'elle avait toujours la main du squelette dans la sienne. J'ai froncé les sourcils sans rien dire. Ce n'était en aucun cas drôle de me faire ce genre de frayeur. Je t'ai vraiment fait peur. Désolée. Je veux rentrer. Très bien. De toute façon, on peut rien voir s'il fait aussi sombre. Elle a pris ma main pour me guider vers la sortie et sûrement pour me rassurer de l'événement qui venait de se produire par sa faute. On s'est donc dirigé vers la porte de la pièce pour en sortir. Ma Fouillou a posé sa main sur la poignée et l'a tournée. Mais un bruit de verrouillage a retenti à ce moment-là. Hein ? Ma Fouillou est restée figée, poignée en main, silencieuse. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne s'ouvre pas. Quoi ? Arrête de déconner ! Je déconne pas, ça veut vraiment pas s'ouvrir. Tu sais très bien que je déteste ce genre de blague. Arrête de me taquiner et ouvre cette porte. Je peux pas, je t'ai dit. Ça ne veut pas s'ouvrir. Pourquoi t'essaies pas toi-même ? En panique, je l'ai poussée violemment. Il fallait que je sorte d'ici. Je commençais à sentir une atmosphère lourde et irrespirable. J'ai essayé, et ce par tous les moyens, d'ouvrir la porte. Mais rien n'y faisait. Elle était bien verrouillée. J'insistais encore et encore dans un désespoir. Il était hors de question que je reste bloquée dans cette pièce beaucoup trop glauque. Pourquoi ? Pourquoi ça s'ouvre pas ? C'était ouvert il y a 1 minute à peine ! Pourquoi ? Je continuais à l'infini d'insister et de tourner la poignée pendant de très longues secondes. Le même bruit se faisait entendre, ce bruit de verrouillage insupportable. Prise par un désespoir profond, j'ai fini par frapper la porte de mes 2 poings avec violence. Je ne savais plus quoi faire face à cette situation.
J'étais apeurée, désarmée, je ne pouvais rien faire. Je me contentais alors simplement de me recroqueviller dans un coin de la pièce et je me suis mise à pleurer en silence. Je lui avais bien précisé que je détestais ce genre d'endroit. Je me sentais rancunière envers ma fouillou et tandis que je m'apprêtais à la sermonner, je me tournais vers elle. Je n'y croyais pas mes yeux. Elle dormait contre un mur. Comment pouvait-elle dormir dans un moment pareil? Je lui en voulais encore plus, car si j'étais enfermée ici, c'était entièrement sa faute. J'étais à bout. J'ai continué à pleurer doucement, cachant mon visage dans mes bras. Puis, un bruit étonnant parvint à mes oreilles. Qu'est-ce que... un vibreur? Je relevais la tête en tendant l'oreille vers ce qui me semblait être un vibreur. J'aperçus alors mon sac de cours. C'était mon téléphone. J'étais persuadée qu'il s'était éteint parce qu'il n'avait plus de batterie. Je rampai, une lueur d'espoir dans les yeux, vers le sac. Je l'ai attrapé fermement dans ma main. J'ai ouvert la fermeture doucement, jetant un œil à l'intérieur. Tout était complètement en bazar. Il y avait tellement de choses. Comment est-ce que j'allais faire pour le retrouver? Même mes écouteurs étaient complètement emmêlés. J'ai plongé ma main pour les attraper et, étonnamment, ils étaient trempés. C'était vraiment bizarre. Est-ce qu'un tube de crème avait explosé dans le sac? Tandis que le vibreur accéléré commençait à tirer sur les écouteurs pour essayer de dégager un maximum de choses. Une boîte de lentilles en est sortie. Puis un masque de protection pour le visage. Le téléphone. Il faut que je le trouve. Puis un peigne rempli de cheveux. Où est ce foutu téléphone? Puis une trousse complètement humide et dégoûtante. Va faire vite! Puis une deuxième trousse plus petite. Plus ça allait, plus c'était trempé. Avant qu'il ne s'éteigne! Puis tout un tas de crayons accrochés au fil des écouteurs. Plus je tirais, plus le bruit du vibreur était fort. J'y étais presque. Je le sentais. Je tirais encore et encore. Et là, révélation! Je l'avais enfin en main! Il était emmêlé dans tout un tas de choses, mais je l'avais enfin trouvé! J'ai arraché de façon nette l'embout des écouteurs dans une fureur incommensurable. Et soudainement, il s'est éteint. Je suis restée figée. Un souvenir me revint en mémoire comme un flash obscur. J'étais venue dans ce soi-disant hôpital abandonné et la porte s'était verrouillée sur mon ami et moi. Ni l'électricité, ni les lumières ne fonctionnaient. Et je venais de penser à quelque chose. J'étais certaine de ne pas avoir apporté mon sac avec moi. Réalisant ce détail, la vérité est apparue devant mes yeux. Ce que je pensais être mon téléphone portable n'était en aucun cas ceci. Ce que je tenais entre les mains, ce qui était aussi humide et poisseux, n'était pas non plus un tube de crème qui avait éclaté. C'était seulement le cœur de mon ami que je tenais juste en dessous de mon visage. Ce que j'avais débranché de ce que je pensais être mon téléphone était en fait les artères rejoignant le cœur. Je crois que j'ai fait une grosse connerie. Le jour où cette histoire s'est passée, on était en hiver et il avait beaucoup neigé. Je me suis rendue à mon arrêt de bus après le travail, comme je n'ai pas le permis. Il faisait déjà nuit, vous savez comment ça se passe l'hiver. Les journées sont très courtes, il fait jour très tard et nuit très tôt. Même s'il faisait sombre, tout était recouvert de blanc et ça rendait l'atmosphère lumineuse et fantastique. L'arrêt se trouvait dans une rue commerçante et d'habitude, il y avait énormément de passages. Mais ce jour-là, il n'y avait personne dehors. C'était sans doute à cause de la neige. Il n'y avait personne qui attendait le bus non plus. Personne pour piétiner cette belle neige d'un blanc pur. Je me suis sentie très seule et peu en confiance. Alors je me suis dit que ce serait mieux de rentrer chez moi à pied plutôt que de prendre le bus. D'habitude, je rentre toujours avec ce transport en commun. Mais il ne faut que 15 minutes de marche pour arriver chez moi. Avec ce temps, je savais que j'arriverais à la maison bien plus vite à pied. J'ai donc déployé mon parapluie et j'ai commencé à marcher en repoussant la neige qui m'arrivait presque aux genoux. En chemin, j'ai vu les branches des arbres recouvertes de neige. En les secouant un peu, je faisais naître des pluies de neige. C'était superbe. J'ai poussé la neige accumulée sur les clôtures avec mes mains. C'était froid.
Étonnamment, je me suis entendue marmonner « Youpi !» comme une enfant. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas neigé autant. Tout avait l'air de sortir d'un film de Noël. C'était vraiment magique. Tandis que je marchais avec tant bien que mal, je me suis soudainement sentie mal à l'aise. Tout était trop calme, trop silencieux. C'est comme si j'étais seule dans la ville. Le froid et la neige se sont adoucis et j'ai eu la sensation que mes oreilles se bouchaient. En regardant autour de moi, j'ai vu un grand bâtiment construit dans un style occidental. Je ne l'avais jamais vu. Est-ce qu'il avait été construit récemment ? J'ai continué à marcher vers chez moi. Plus j'avançais, plus j'étais censée me rapprocher de ma maison. Pourtant, je ne la voyais pas. Je me suis demandé si c'était possible de se perdre sur un chemin aussi habituel. Je pensais que non, car quand on a l'habitude de faire quelque chose, on ne se rend même plus compte de ce que l'on fait et on entre dans une forme de pilotage automatique. Mais ça faisait déjà bien 30 minutes que je marchais et je ne voyais toujours pas mon habitation. J'ai pris la décision d'appeler le téléphone fixe de la maison. Mon mari a répondu. Quand je lui ai expliqué la situation, il s'est moqué de moi et m'a demandé « Mais t'es où ?»« Je sais pas. » « Est-ce que tu vois un distributeur automatique près de toi ?»« Ah oui, j'en vois un. » « T'aurais dû faire attention où tu allais. Bon, donne-moi l'adresse sur le distributeur. » « D'accord. » Tandis qu'on était toujours en ligne, je lui écrivais par SMS l'adresse indiquée dessus. C'était un lieu que je ne connaissais pas et mon mari non plus. « Ne t'en fais pas. Je vais venir te chercher et te prendre en voiture. En attendant, achète-toi une boisson chaude et si tu peux, mets-toi à l'abri. Je te rappelle quand j'arrive. » « Merci, je t'attends. » Nous avons raccroché. Je me suis tournée vers le distributeur à la recherche d'une boisson chaude sur conseil de mon mari. J'ai regardé, mais ce distributeur ne servait pas de boisson chaude, pas même de thé. J'ai donc acheté un soda et j'ai cherché un endroit où me reposer. En regardant de plus près, je n'ai vu que des maisons en bois. Pourtant, ici, c'était un quartier résidentiel. Est-ce que le quartier était si ancien que ça ? En avançant encore un peu, j'ai fini par trouver un banc. J'ai dégagé la neige qu'il y avait dessus et je me suis assise. Malgré le noir et la solitude, j'admirais ce qui se trouvait devant mes yeux. Ce petit parc sous la neige rendait vraiment beau. Environ 10 minutes plus tard, mon mari m'a rappelé avec son téléphone portable. « T'es où maintenant ?» J'ai trouvé un banc dans un petit parc. Je suis assise dessus. « Alors coupe à travers le parc et sors en tournant à droite. Ne raccroche pas. » J'ai trouvé le ton de mon mari plutôt étonnant et surtout, sa demande de ne pas raccrocher m'a surprise. Mais j'ai fait ce qu'il m'a demandé. Il avait l'air très sérieux. Je suivais ses instructions scrupuleusement. Tourne encore à droite. Voilà. Ouvre la porte d'entrée de la maison en face de toi. Hein ? Mais c'est la maison de quelqu'un d'autre ? Fais ce que je te dis ! Je me sentais complètement perdue. Avec hésitation, j'ai poussé la porte d'une maison que je n'avais jamais vue. Même si je trouvais ça absurde et impoli d'entrer dans une propriété inconnue, je faisais confiance à mon mari. À l'intérieur, j'ai vu ma belle-mère penchée sur notre Kamidana. C'est notre petit hôtel Shinto. Beaucoup de Japonais en possèdent chez eux quand ils sont croyants. Quand j'ai regardé derrière moi, j'ai constaté que la porte que je venais de franchir s'était changée en la porte d'entrée de ma maison. L'adresse que j'avais lue sur le distributeur était celle d'il y a 20 ans. Bien entendu, le distributeur n'était plus en fonction. Et le parc qui se trouvait à côté avait été changé en grand parking. Je ne connaissais pas l'ancien nom du quartier. Mon mari, lui, avait grandi ici et s'en est souvenu. Et c'est comme ça qu'il a pu me guider par téléphone. Mais moi, j'ai pris une boisson au distributeur et j'ai patienté dans le parc. Je n'ai pas vu de parking, je n'ai pas reconnu ma maison. Où est-ce que je m'étais perdue ? Et surtout, quand est-ce que c'est arrivé ? Quand j'y pense, je suis effrayée. Je crois sincèrement que j'ai clippé de la réalité, que je suis allée dans une autre dimension. Je ne sais pas si l'endroit où je me trouvais était dangereux, mais je suis consciente que si mon mari n'avait pas été là pour me guider, je serais sûrement restée coincée dans cet endroit mystérieux. Rien que d'y penser, ah, ça m'effraie. Je prie sincèrement pour que ça ne recommence plus jamais, parce que je peux vous promettre que malgré le beau paysage et l'hiver doux, ce qui m'est arrivé
m'a terrorisée. J'étais vraiment seule. Enfin, je pense. Je n'ai croisé personne, vu le peu de temps que j'y suis restée. Actuellement, j'habite dans la région de Fukushima, mais mon employeur m'a confié, à la dernière minute, un voyage d'affaires dans l'agence de la région de Yokohama. Nous ne sommes pas une grande entreprise, donc il fallait que je remplace, au pied levé, quelqu'un dans l'équipe de l'agence de cette région qui est tombé gravement malade. Il s'agissait d'un voyage d'environ un mois, tout au plus. Le temps que cet employé puisse reprendre son poste. Par chance, j'allais faire la même chose que d'habitude, c'est-à-dire contacter des clients, ranger des dossiers, faire signer des contrats, etc. Le genre de choses qu'on fait quand on travaille dans un secrétariat. Mon travail n'est pas très compliqué, mais il est très important à la gestion et à l'organisation de l'entreprise. Comme expliqué, nous sommes une petite entreprise, donc nous ne sommes pas beaucoup d'employés. Si quelqu'un manque à l'appel, ça chamboule absolument tout notre travail et ça a directement des conséquences sur chacun des postes. L'histoire que j'ai vécue s'est déroulée pendant ce voyage. L'agence de Yokohama est située dans un bâtiment, dans la partie nord de la ville. Au premier étage, c'est un parking. Le deuxième appartient à une autre entreprise et les trois autres sont à louer. C'est un immeuble avec environ 6 studios par étage. Comme je suis en voyage d'affaires, on m'a attribué une chambre à l'étage louée par ma société. Dans l'idée, être logé sur son lieu de travail est quelque chose de pratique. Par exemple, on n'a pas besoin de se lever 2 heures en avance pour se rendre au travail. On n'a pas la contrainte des bouchons. Mis à part ces petits avantages, le fait d'être directement sur place est en réalité très ennuyeux. Je passe la journée dans les locaux. Le soir, je sors faire quelques courses, mais je reviens toujours dans le même immeuble. En fait, je change jamais d'endroit, et c'en est presque épuisant et lassant. Quand je ne suis pas en service, j'entre par la porte de la copropriété locative, et non du côté des entreprises. L'entrée est petite, entre les boîtes aux lettres et le minuscule ascenseur. Mais heureusement, peu de gens passent par cette entrée. Le soleil s'était couché tôt ce jour-là, et je rentrais des courses dans la demi-obscurité du soir. Heureusement, l'ascenseur est éclairé. Je suis entrée dedans et j'ai enfoncé le bouton du 5e étage où se trouve ma chambre. La montée a commencé et j'ai vu passer un étage. Les lumières du couloir étaient éteintes et celles de l'ascenseur me paraissaient aveuglantes. Mais durant l'espace d'une seconde, j'ai cru voir la silhouette d'un homme dans l'obscurité. Ensuite, j'ai encore vu passer un étage, illuminé, et l'ascenseur s'est arrêté au 5e. Immédiatement à droite, en sortant de l'ascenseur, se trouve la chambre 501. Ma chambre, la 502, se trouve en face. Le couloir se poursuit sur la droite avec plusieurs autres chambres, la 503, 504, etc. J'étais en train de sortir mes clés, le dos tourné à l'ascenseur, lorsque j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Quelque chose clochait. J'ai pu voir 2 couloirs à 2 étages différents, depuis l'ascenseur. Un avec les lumières éteintes et un autre avec les lumières allumées. J'ai donc vu un premier étage, un deuxième, mais le problème est que je me trouvais au 5e étage de l'immeuble. Je suis censée être au 5e. Le calcul n'est pas bon. Ça ne semble être qu'un détail, mais le 2e étage appartient entièrement à une entreprise et les employés passe par les escaliers extérieurs qui leur sont dédiés. L'immeuble a été construit pour ça, donc l'ascenseur ne dessert pas le 2e étage et on ne voit à ce niveau qu'un mur de béton. Mais même avec le 2e étage condamné depuis l'ascenseur, ajouté à mon couloir sombre et à celui éclairé, ça ne fait que 3 étages. J'ai levé les yeux pour vérifier le numéro de la chambre, chambre 502. Pas de doute possible, je suis au 5e étage. Pourtant, je n'ai pas vu passer le 4e étage. C'est peut-être une erreur d'inattention de ma part, une distraction sans doute, mais ça venait de se produire et je me sentais vraiment mal à l'aise. C'est alors que je me suis souvenu de la silhouette dans l'obscurité. Un homme en costume, immobile devant une porte, une épaule légèrement relevée et la main coincée, immobile dans sa poche. J'ai, à présent, exactement la même pose. Avec la main coincée dans ma poche, suspendue dans mon geste pour sortir mes clés.
Quand j'ai pris conscience de ma posture, de mon immobilité, comme cette étrange silhouette, j'ai senti très distinctement la présence de l'ascenseur dans mon dos. L'ascenseur que j'ai quitté il y a un moment et qui aurait dû se refermer et redescendre, mais qui n'a pas bougé. Quelqu'un se trouve derrière moi. Quelqu'un me regarde fixement et je suis si glacée de peur que je suis incapable de me retourner. Lentement, j'ai sorti les clés de ma poche. J'ai entré celle-ci dans la serrure, je l'ai fait pivoter et j'ai ouvert la porte de la chambre 502. Je suis entrée à l'intérieur et j'ai fermé derrière moi en verrouillant la porte, sans jeter un regard au couloir. Qui se trouvait là? Mon double? Je croyais que j'étais en sécurité à l'intérieur de la chambre, mais était-ce vraiment le cas? Aurais-je été en danger si j'avais décidé de ressortir dans le couloir à cet instant précis? Maintenant, je suis rentrée de ce voyage d'affaires, mais mon appartement quotidien se situe, lui aussi, exactement en face d'un ascenseur. Depuis ce jour, l'espace entre ma porte d'entrée, au 9e étage, et celle coulissante de l'ascenseur me glace le sang, et je m'y attarde jamais. L'histoire que je veux vous raconter s'est produite lorsque j'étais à l'école en primaire. À cette époque, j'étais un enfant vraiment très discret. À cause de ma solitude, quand je rentrais, personne ne m'attendait à la maison. Mes parents travaillaient tard et autant dire que je ne les voyais pratiquement jamais. Comme j'étais seule, je m'attardais longtemps le soir à l'école pour jouer. J'avais pour habitude de jouer au ballon avec mes amis, mais même eux, passé 16h30, devaient rentrer chez eux. Une fois que je me retrouvais seule dans la cour de récréation, j'aimais faire le tour des jeux avant de rentrer chez moi. Cochon pendu, balançoire, mur d'escalade. Ah, qu'est-ce que j'aimais escalader le mur d'escalade. Et enfin, le toboggan. Notre toboggan était spécial parce qu'il avait la forme d'un Y. Pour être plus précis, il y avait une échelle pour monter et non pas un, mais bien deux toboggans pour descendre. On aurait dit un éléphant, mais avec deux trompes. Il avait été conçu pour que deux enfants puissent glisser en même temps, afin qu'il n'y ait pas trop d'attente entre chaque enfant. Mais en réalité, seul le toboggan de gauche était réellement utilisé. Celui de droite avait été recouvert d'un papier où il y était inscrit « descente interdite ». Selon mon professeur, c'est parce qu'il y avait un défaut dessus, une sorte de chose coupante s'y trouvait sur la glissière et qu'il y avait déjà eu un accident dans le passé. Un enfant s'était légèrement blessé à la jambe. Enfin, c'était sa version. Tout le monde le sait, quand une chose est interdite, elle devient incroyablement irrésistible aux yeux des enfants. Comme il ne restait plus personne et que tout le monde était rentré chez lui, j'étais seule dans la cour de récréation. Personne n'était là pour me voir. Personne ne pouvait me punir si jamais je faisais malencontreusement une petite bêtise. Et vous vous en doutez bien, je n'ai pas pu me retenir. J'étais trop heureux de grimper l'échelle et de glisser sur le contreplaqué où se trouvait l'inscription « Descente interdite ». Il ne faut pas oublier que la descente d'un toboggan, c'est rapide et vif. Pourtant, je peux vous jurer que j'ai senti que cette descente-là était plus longue. Bien plus longue. J'ai soudainement ressenti un gros sentiment de malaise, un inconfort très puissant. Un énorme visage rouge est sorti de la paroi près de moi et s'est mis à rire de façon malsaine et effrayante. Quand je suis arrivée au sol, j'étais totalement terrifiée. Je ne comprenais pas ce qui venait d'arriver et, par réflexe, j'ai pris la fuite immédiatement. Le visage rouge se trouvait sur la paroi du toboggan. Il était bien plus gros qu'un visage d'adulte, bien plus grimaçant, rouge et boursouflé. On aurait dit un visage démoniaque. J'ai voulu penser que quelqu'un me faisait une farce avec un masque de déguisement au trou dans la boutique pour Halloween, mais le visage flottait dans l'air avec des contours tout flous. Il a fendu l'air en me poursuivant et en riant de façon malsaine et effrayante. Je suis directement partie en courant, mais j'ai continué à entendre sa terrible voix dans mon dos.
J'ai couru vers la porte de l'école en cherchant de l'aide et en criant le nom de mon professeur. J'étais dans tous mes états. Je cherchais absolument quelqu'un qui pourrait me sortir de cette fâcheuse situation qui, finalement, fut traumatisante pour le pauvre enfant que j'étais à l'époque. Quand j'ai voulu ouvrir la porte du bâtiment, bizarrement, elle était verrouillée et celui-ci semblait complètement vide. Pourtant, il y aurait dû avoir mon professeur en train de travailler dans la salle de classe. S'échappant du complexe de jeu en poussant des cris stridents, j'entendais le monstre qui me poursuivait et tambourinait à la porte aussi vite que je le pouvais. L'énorme tête démoniaque se rapprochait encore de moi, sa bouche hurlante, grande ouverte et pleine de bave. Ça me répugnait. Apercevant que je n'avais la réponse d'aucun adulte, je me suis enfui vers le portail de l'école pour sortir de la cour. Il était lui aussi verrouillé. J'ai pleuré évidemment, mais personne n'est venu m'aider. Pire que ça, il ne semblait qu'à part moi et cette abomination, tout le monde avait disparu. J'ai commencé à penser que j'allais tout simplement me faire dévorer. Je suis alors revenue vers le complexe de jeu en pleurant toutes les larmes de mon corps, le visage couvert de celles-ci et de sueur. Je me suis dit que peut-être il suffisait que je glisse à nouveau sur le toboggan interdit pour que je puisse sortir de cet enfer. J'ai donc escaladé aussi vite que possible. J'ai vu que cette fois, le toboggan condamné était celui de gauche et non plus celui de droite. J'ai glissé sur le contreplaqué en pensant que j'étais en train de mourir. J'ai eu l'impression de glisser sur un liquide glacé. Je me suis sentie vraiment très mal. J'ai regardé autour de moi. Je n'entendais plus les gargouillements et ricanements du monstre. Je ne l'ai vu nulle part. Quand je me suis approchée du bâtiment scolaire, j'ai vu de la lumière et mon professeur était dans sa salle de classe, en train de travailler. La porte était ouverte. J'ai donc fait le tour de l'école, terrifiée à l'idée de voir cette chose ressurgir. Soudainement, j'ai réalisé ce qui n'allait pas. Le toboggan ne comportait plus qu'une seule glissière. Ça m'a fait froid dans le dos et je suis restée dans l'incompréhension la plus totale. Dans les jours qui ont suivi cet événement, j'ai cherché à me rassurer auprès de mes amis en leur demandant ceci. Il y avait bien deux toboggans avant ici, non ? Ils ont tous pensé que je plaisantais. Pour eux tous, il n'y avait jamais eu qu'un seul toboggan. J'ai vraiment eu du mal à avaler une telle chose. Mais c'est vrai qu'en regardant la cour d'école de plus près, il n'y aurait pas eu la place pour un toboggan avec plusieurs descentes. Ça aurait été trop massif. Mais moi, je me souviens parfaitement de cet autre toboggan, de sa pancarte « descente interdite » et de ce visage rouge démoniaque. Je n'ai jamais eu d'explication et je n'ai jamais osé en parler à qui que ce soit. Je crois que moi-même, j'ai peur de devenir fou en vous racontant cette histoire à haute voix. Et ça, je vous l'assure, c'est mon souvenir le plus terrifiant. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'entendre des rumeurs selon lesquelles quelque chose apparaîtrait dans la salle de musique de l'école parfois. Quelque chose comme un fantôme, bien entendu. J'ai entendu cette rumeur par une amie du lycée à moi. Je vais vous la raconter aujourd'hui. On raconte qu'un étudiant aurait vécu une expérience paranormale en s'attardant le soir dans la salle de musique pour pratiquer son instrument de prédilection. Comme les rumeurs se répandaient, l'envie d'essayer de rester le soir, de provoquer une expérience paranormale, se répandait aussi. L'étudiant en question était en dernière année. Il s'appelait Kyo. Il était l'un des élèves les plus âgés et il était respecté par tous les autres. Il était même délégué de sa classe pour tout vous dire. Lui, il ne croyait pas à ces histoires de fantômes. Un soir, il s'est attardé afin de prouver à tout le monde que cette histoire était ridicule. Les autres sont partis en lui souhaitant bonne chance. Il se retrouvait donc seul dans le bâtiment de l'école. Lorsqu'il s'est rendu à la salle de musique, il a ouvert la porte de celle-ci. Elle était éclairée par la lumière du soleil couchant et elle semblait bien poussiéreuse. Il s'est assis là et a juste attendu. Il a attendu longtemps.
Est-ce que des étudiantes étaient en train de s'amuser dans le couloir ? Il lui semblait avoir entendu un rire au loin. Il a continué à attendre, attentif à tous les sons, à tous les signes. Après tout, ce n'était qu'une rumeur, il le savait. Les rires des étudiantes continuaient à résonner dans le couloir. Il se dit qu'il perdait simplement son temps. Il était l'heure pour lui de rentrer chez lui. Mais le détail qu'il avait oublié, c'était que la salle de musique est insonorisée. C'est ainsi fait pour que la musique ne vienne pas déranger les autres cours et que le passage dans le couloir ne déconcentre pas les musiciens. Autrement dit, il est impossible d'entendre des rires provenant du couloir depuis la salle de musique. Pourquoi ce rire résonnait-il ? D'où provenait-il ? Il semblait se rapprocher. Le rire venait très clairement de l'intérieur de la salle de musique. Mais de là où il était, Kyo était certain qu'il voyait tout alentour. Personne n'aurait pu se cacher pour lui faire une farce. Il quitta précipitamment la salle de musique. Dès le lendemain, tous les élèves demandèrent à Kyo comment s'était passée sa soirée. Alors, c'était comment ? T'as vu un fantôme ? Tout le monde le pressait de raconter ce qu'il aurait pu se passer durant cette nuit mystérieuse. Tout le monde était en hâte. Mais Kyo ne répondait pas. Sa réaction a entraîné une frustration chez ses camarades. Personne ne comprit son silence. Mais nous avons appris bien après que s'il racontait ce qu'il avait entendu, ça risquait d'entraîner encore plus de rumeurs. À la fin de la journée, Kyo s'est rendu dans la salle de musique et a interpellé le professeur présent en ce lieu. Dites-moi, vous qui êtes professeur, vous restez souvent ici le soir, n'est-ce pas ? Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose d'étrange ? Professeur ? Vous avez entendu ? C'est simplement des étudiants qui s'amusent en couloir. Mais professeur, la salle de musique est insonorisée. Le professeur et Kyo sont restés se fixer pendant quelques secondes. Ils lisaient la terreur dans les yeux de l'un et l'autre. Les rires ont résonné tout près d'eux, alors que, bien sûr, il n'y avait personne d'autre dans la salle de musique. C'était si effrayant que le professeur et l'étudiant se sont enfuis en courant. Depuis ce jour, la salle de musique est verrouillée dès la fin des cours et personne n'a le droit de s'y rendre, même les étudiants désirant pratiquer leur instrument. Et vous, dans votre école, la salle de musique est-elle fermée à clé après les cours ? Cette histoire s'est déroulée durant un camp d'entraînement durant les vacances d'été lorsque j'étais à l'université. Le camp de vacances était organisé par plusieurs universités et nous entraînait afin de passer l'examen du permis de conduire. Beaucoup d'étudiants qui participaient au camp étaient de la même génération. Celui-ci se situait en dehors de la ville, un peu isolé, en campagne. Et pour y aller, nous devions prendre un bus spécial. Nous devions être une vingtaine lorsque j'y ai participé. Nous passions nos soirées à discuter, à papoter de choses et d'autres en nouant de forts liens d'amitié. Au début, nous parlions surtout de nos universités et de nos cours. Ensuite, nous avons échangé sur nos vies privées et nos artistes préférés. Un soir, nous en sommes venus à parler de choses effrayantes. N'ayant jamais vécu la moindre histoire inquiétante, je me suis mise en retrait afin d'écouter ceux qui avaient des choses à raconter. De toute façon, je ne pensais pas avoir le moindre talent de conteur d'histoire. D'ailleurs, rares sont les personnes avec ce talent. C'est pourquoi je n'étais pas vraiment inquiète. Je me disais que les histoires qu'allaient raconter mes camarades ne pourraient pas être si effrayantes que ça. Le lendemain, pendant mon entraînement de conduite dans la voiture, j'ai raconté à mon moniteur que nous nous racontions des histoires d'horreur la veille. Je m'entendais plutôt bien avec lui, alors on discutait pas mal quand on était tous les deux. J'avoue m'être un peu vantée de ne pas avoir eu peur une seule seconde. Ça a eu l'air de l'amuser, alors il m'a raconté sa propre histoire effrayante. Quand il a eu fini,
Il a conclu avec cette phrase. À chaque fois que je raconte cette histoire au téléphone, ça coupe. Pour être honnête, je n'ai pas trouvé son histoire particulièrement effrayante. Et même cette histoire de téléphone qui coupe et raccroche lorsqu'on la raconte, je trouvais ça un peu ridicule à vrai dire. Quelques années après avoir obtenu mon permis de conduire avec brio, j'ai emprunté la voiture de mes parents et je suis allée au parc d'attractions avec des amis. Sur le chemin du retour, il faisait nuit noire et mes amis ont commencé à échanger des histoires d'horreur. En les écoutant, je me suis souvenue de l'histoire du moniteur de l'auto-école. J'ai alors pris la parole pour la raconter. L'histoire était la suivante. Quand la nièce du moniteur a eu 20 ans, elle a obtenu son permis de conduire et elle est partie avec des amis dans une station thermale. Les trois filles ont passé 3 jours et 2 nuits dans cette station de rêve. Elle a pris plein de photos souvenirs et quand elle est revenue, l'une de ces photos a attiré son attention. Cette photo avait quelque chose d'étrange. Il s'agissait d'une photo prise avec la cascade en fond. Elle a fini par voir qu'entre les pieds des trois filles, il y avait visiblement un autre pied, flottant au bas de la cascade. Il semblait n'appartenir à personne. Perplexe, elle a apporté la photo à son oncle, le moniteur d'auto-école avec qui j'ai passé mon permis, qui lui-même s'est rendu avec la photo dans un bar dont il a l'habitude et d'où il connaît le patron. Le patron en question était versé dans les histoires paranormales et lui a donné le contact d'un spécialiste de ce genre de choses. Le moniteur d'auto-école a donc pris contact avec celui-ci et en attendant de pouvoir le rencontrer, il a laissé la photo au bar. Quelques jours plus tard, ils ont enfin pu se rencontrer tous les trois dans le bar. Ils ont observé la photo et un sentiment profond de malaise a envahi le moniteur. En plus du pied visible, un visage semblait commencer à apparaître dans la cascade, au fond de la photo. Une sueur glacée a parcouru le dos des hommes qui avaient déjà vu la photo. Comment une photo pouvait-elle changer d'elle-même ? Le spécialiste est devenu livide en voyant ce détail. Il s'est retiré en secouant la tête et a dit « Je ne suis pas de taille pour ce genre de choses. Je vais vous envoyer quelqu'un de plus compétent que moi. En attendant, priez. Priez pour vous. » Un peu inquiet, les deux autres hommes ont enfermé la photo dans une boîte, posée sur une étagère dans le bar, en attendant la nouvelle personne. Quand la nouvelle spécialiste s'est présentée, ils ont ouvert la boîte. Les deux hommes qui avaient déjà vu la photo sont devenus bleus de terreur. La cascade en fond était devenue noire et un motif effrayant s'était répandu sur la surface de l'eau. La nouvelle spécialiste expliqua. Il me semble qu'un sentiment très mauvais, néfaste, s'est répandu sur votre photo. Ça risque d'être long, mais je pense pouvoir le nettoyer de ce sentiment. Le moniteur d'auto-école a été si choqué, si terrifié qu'on puisse prendre en photo des choses invisibles à l'œil nu, qu'à partir de ce moment-là, il n'a pratiquement plus jamais pris de photos. Surtout pas dans des endroits avec de l'eau. Sa nièce non plus, d'ailleurs. Tout a commencé le jour où j'ai décidé de me mettre au sport. J'ai pris un abonnement dans une salle de sport pour rester motivée et tenir mes objectifs. Je m'appelle Asae Suga. Et je suis une femme plutôt ronde. Je l'ai toujours été, mais depuis quelques années, je ne supporte plus du tout mon physique. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin de changement. Au Japon, les femmes minces sont tellement adulées et attirantes. En même temps, je leur jette pas la pierre. La plupart sont magnifiques. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu leur ressembler. Et pour ça, je me refuse tout type de chirurgie plastique, car mon visage est très joli. Mais mon corps, lui, n'est pas adapté à l'image de la beauté que j'ai en tête. Ceci n'est que mon avis personnel, évidemment. Et il n'est en aucun cas l'avis que tout le monde doit exprimer ou autre. Je préfère être claire sur ce sujet avant de débuter mon récit. Le mieux que je pourrais vous dire, c'est que si vous vous sentez bien dans votre corps, et ça peu importe votre corpulence, eh bien c'est tout ce qui compte. Je me rends donc tous les jours à la salle, et sur conseil d'une amie, je mise un maximum sur le cardio, ce qui me permet, normalement, de perdre en masse graisseuse. C'est un entraînement très intense pour moi, n'ayant jamais été une très grande sportive. Je me donne toujours à fond sur mon tapis de course et généralement, je cours pendant une durée approximative de 1h, voire 1h30 selon les jours. Ça fait 2 semaines que je tiens ce rythme intense. Et pour le moment, je tiens même si certains jours, il m'arrive d'avoir des pertes de motivation et ne vouloir qu'une chose, rester affalée sur mon canapé à ne rien faire. Mais j'évite de succomber car je sais pertinemment que si je laisse ces désirs se réaliser,
Je vais perdre toute ma motivation et juste stopper. Mes efforts ne seront donc en aucun cas payants et ça, c'est hors de question. Aujourd'hui, comme à mon habitude, je me suis donc rendue à la salle de sport. J'ai couru sur le tapis de course et une fois l'heure passée, je me suis arrêtée toute transpirante. J'ai pris une serviette pour essuyer toute la sueur de mes efforts et je suis partie me peser. Je le fais une fois par semaine afin de constater si mon évolution est constante ou non. Depuis 2 semaines, je n'ai pas vraiment perdu de poids, mais c'est le temps que mon corps s'habitue, j'imagine. Je place donc mes pieds sur la balance et vois le chiffre monter très rapidement. Mes yeux restent fixés sur celui-ci, observant le résultat final. Je saute immédiatement de joie en le voyant et je m'aperçois que j'ai perdu 600 grammes depuis la semaine dernière. C'est vraiment une super nouvelle. Je décide d'aller me nettoyer dans les salles de bain communes de la salle. Pendant que je me douche, je me dis que tout ce travail paye enfin et que les conseils de mon ami sont bien avisés. Une fois terminé, je sors de la douche, enfile une serviette et je commence à sécher tout mon corps. Je me rhabille avec des vêtements de rechange que j'ai apportés dans mon sac de sport et je sors du bâtiment en direction d'un endroit où me commander à manger pour ce midi. Je cherche, de préférence, un café ou un restaurant rapide, comme un bar à salade ou une sandwicherie. En marchant dans la rue tranquillement, j'observe les alentours et je remarque un petit café très sympa. La devanture est très distinguée et donne clairement envie d'entrer à l'intérieur. Je pousse la porte de l'établissement et entre à l'intérieur. J'observe attentivement les alentours et découvre un café vraiment très sympathique, avec une jolie ambiance musicale. Ça donne envie de se poser et de souffler ici pendant quelques instants. Je me dirige vers le comptoir où se trouve le serveur. Bonjour et bienvenue dans notre café. J'observe la carte des menus, voyant ce que l'établissement propose. Il y a un choix énorme et il y en a pour tous les goûts. Tout donne envie. J'imagine tous les bons plats dans ma tête pendant l'espace d'un instant. Hamburger, brochette de yakitori, takoyaki, gyoza, danbori, nabemono, tonkatsu, oden. Oh, et j'en passe. J'ai tellement envie de prendre tout. Mais non, je ne peux rien prendre de trop gras. Je me ressaisis et passe ma commande. Je voudrais une salade de ricotta et un americano glacé, s'il vous plaît. Très bien, je m'occupe de votre commande tout de suite. Quand votre plat sera prêt, je vous l'apporterai. Merci beaucoup. Ça vous fera un total de 1000 yens tout pile, s'il vous plaît. Très bien, je paye en carte. Tandis que je pose ma carte sur le TPE, le terminal de paiement automatique, j'observe le visage du serveur en silence. C'est là que je remarque indéniablement la beauté stupéfiante de celui-ci. Je le trouve vraiment très beau. Son sourire est si charmant, sa posture si élégante. Oh là là, un vrai prince! Parfait, je vous remercie pour votre paiement. Il me sourit à nouveau. Oh, je craque! Suite à ça, je m'installe à une table seule afin d'attendre ma commande. Quelques minutes passent et le serveur arrive. À nouveau, tout sourire. Il tient ma commande dans ses mains. Une salade de ricotta et un americano glacé. Il pose l'assiette et le verre sur ma table, puis retourne derrière son comptoir. J'observe mon plat avec envie. Même une simple salade est si bien présentée ici. J'entame mon repas et je le trouve délicieux. C'est certain, je reviendrai sans hésiter. Surtout que ce serveur qui tient la caisse est vraiment super mignon. Je sais que je reviendrai tous les jours, rien que pour le voir. 2 jours plus tard, je suis retournée à la salle de sport, continuant mon entraînement acharné. Comme je l'ai expliqué, normalement, je me pèse qu'une fois par semaine. Mais depuis que j'ai vu ce serveur, c'est vrai que j'aimerais savoir si j'ai du changement à chaque fois que je fais un effort sportif. Je pose mes pieds sur la balance et regarde le chiffre monter. La balance m'annonce une terrible nouvelle. J'ai pris 3 kilos. Je n'arrive pas à y croire. Pourtant, tout ce que j'ai mangé, c'est une salade. Alors comment j'ai pu prendre autant de poids ? Voir ça m'a complètement dépitée. Je prends une douche en ruminant ma prise de poids et mon incompréhension face aux chiffres de la balance. Une fois fini, je sors de la douche et m'habille. Puis je me mets en route vers le café qui est devenu mon endroit favori pour manger après le sport. À peine j'entre dans le bâtiment que j'entends la voix du serveur. Oh bonjour, je vous prépare votre commande habituelle ? Oh, bien sûr, merci. Il se souvient de moi ? Waouh ! J'arrive pas à y croire. Parfait, ça vous fera donc un total de... 1000 yens tout rond. Il me tend le TPE et je fais un paiement sans contact. Alors que le bip du terminal sonne, j'entends la phrase suivante. Vous pouvez aller vous installer. Je vous apporte votre commande dans un instant. Perds du poids. Qu'est-ce que vous avez dit ? Comment ?
Je dis que vous pouviez aller vous installer et que je vous apporterai votre commande dans un instant. Ah, ok. Ça marche, merci. Je suis certaine que je viens juste de l'entendre me dire de perdre du poids. C'est comme s'il me l'avait chuchoté. Non, c'est pas possible, j'ai du mal à entendre. Un garçon aussi mignon et gentil n'aurait pas pu dire quelque chose comme ça. J'ai du mal à entendre ce qu'il a dit. Oui, c'est ça, j'ai mal entendu. Mais je me pose quand même la question. Est-ce que ce serait possible que je sois plus grosse que je le pense? Lorsque cette pensée traverse mon esprit, un sentiment d'angoisse envahit mon corps. Est-ce que c'est possible que mes yeux déforment la réalité? Ça commence à me mettre le doute. Je me sens pas bien. Je prends ma tasse de café dans les mains et je commence à le siroter doucement, tandis que j'entends deux voix non loin de moi. Il y a un couple discutant sur la table d'à côté. J'arrive à entendre quelques mots provenant de leur direction. Je ne peux m'empêcher de glisser mon regard vers eux. Puis soudainement, les mots suivants qui sortent de la bouche de la femme parviennent à mes oreilles. Regarde la graisse qui lui bourre le visage. Je suis surprise qu'elle ose se montrer en public avec son triple menton. Cette phrase me glace le sang et je m'immobilise. Je suis certaine que je viens juste d'entendre ces mots. Là, je n'ai pas rêvé. Et c'est là que je réalise que finalement, tout le monde pense que je suis une truie. Tout le monde, sans exception. Je me sens honteuse. Je prends donc mes affaires et je sors en vitesse du café, abasourdi. Depuis ce jour, je commence à entendre des chuchotements dans mon oreille. Je ne peux plus aller dehors là où il y a d'autres personnes autour, car je les entends tous dire que je suis énorme, dégoulinante de graisse. Je reste donc cloîtrée chez moi, et la seule chose que je fais, c'est de rester plantée devant ma télévision, comme un zombie. Ma lueur d'espoir, ma motivation, tout ça s'est effondré, ne laissant plus place qu'à un noir semblable à l'ébène. Tout à l'intérieur de moi est rongé par ce noir. Chaque jour qui passe, je vois toujours les mêmes pubs. J'en suis devenue obsédée. De nos jours, beaucoup de personnes au régime mangent vraiment de la salade au ricotta. C'est un peu problématique en sachant que le ricotta contient énormément de calories. Oui, même si nous en mangeons dans une salade, autant aller dans un fast-food commander un énorme hamburger bien gras. Exactement. Peu de gens le savent, mais le ricotta est tellement gras que même si vous faites du sport pour éliminer ces calories, ça ne servira à rien. À rien. À rien. Tu resteras toujours grosse et grasse comme une truie. Perds du poids. Perds du poids. Ils se moquent tous de moi. Ils se moquent tous de moi. Bande de sales enfoirés. Je vous hais tous. La haine m'anime. Je ne supporte plus leurs critiques. Je ne supporte plus leurs jugements effroyables. Ils vont voir. Je vais perdre du poids. Et comme ça, personne ne pourra plus se foutre de moi. Plus jamais. Je prends une bonne douche bien chaude, faisant glisser mes mains le long de mon corps. Ah, ça fait tellement de bien. Il n'y a rien de mieux que de se détendre sous une bonne douche. C'est si agréable. Je prends bien le temps de faire mousser mes longs cheveux et de bien nettoyer ma douce et belle peau. Puis, je rince le tout de façon si sensuelle. Je sors de la douche, enfile une serviette et je me place face à mon miroir. J'observe le moindre contour de mon visage, si fin, si joli. Je suis vraiment belle maintenant. Je suis magnifique. Je suis enfin la personne que j'ai toujours voulu être. Tandis que je sèche mes cheveux avec douceur, fixant mon reflet dans le miroir, une vision d'horreur apparaît soudainement face à moi. Mon visage, je le vois amaigri, squelettique, déformé par la maigreur. Qu'est-ce qui se passe ? Paniquée, je m'empresse de frotter mes yeux et de rejeter un coup d'œil au miroir. Oh, j'ai eu tellement peur. C'était qu'une hallucination. Comme j'ai enfin atteint l'objectif ultime de ma vie, je suis persuadée que le serveur me trouvera enfin à son goût. Je décide donc de me rendre au café où j'allais avant. Ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas sortie de chez moi, qu'à peine je pose le pied dehors, la lumière aveugle mes pauvres yeux fragilisés. Je marche dans la rue, pleine de confiance. Chaque personne qui croise mon chemin se retourne vers moi,
admirant mon corps parfait. Je suis sublime, je le sais, et les autres le savent aussi. J'arrive enfin à l'établissement et j'entre. J'observe les alentours intérieurs et je vois finalement cet homme qui a tant tenté mes rêves. Je m'approche de lui, fixant son visage alors qu'il m'adresse les mots suivants. Bienvenue dans notre café. Une formule brunch, s'il vous plaît. Toujours en appuyant mon regard sur lui, je tourne quelque peu la tête pour lui montrer mon plus bel angle. C'est indéniable, il ne résistera pas. Merci. Je vous apporte votre commande quand elle sera prête. Il est si froid dans son intonation. Pourquoi ? Ne me trouve-t-il pas magnifique ? Je ne comprends pas. Je suis devenue une femme à l'apparence parfaite et il ne réagit pas. Excusez-moi. Est-ce que vous vous souvenez de moi ? Je suis venue ici beaucoup de fois par le passé. Bien sûr que je me souviens de vous. Vous veniez ici tous les jours et vous commandiez toujours une salade et un americano. Oh, alors vous vous souvenez de moi ? Son visage a affiché un grand sourire. Un sourire malsain. Un sourire qui m'a mise mal à l'aise et j'ai de nouveau entendu cette terrible voix. Perds du poids. Quoi ? Perds du poids. Suite à ces mots, ma tête a commencé à tourner rapidement. Et c'est alors que je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. Quand j'ai repris mes esprits, j'étais assise à califourchon sur le serveur, couteau à la main. J'ai baissé mon regard vers lui. Je pouvais observer mes bras amaigris d'une façon anormale. Le corps du serveur était couvert de sang. Une hémorragie coulait au sol, laissant place à une flaque rouge foncée. Je ne comprenais pas cette scène. Il était déjà mort. Même après ça, j'ai continué à entendre la voix, comme un écho qui, je pensais, s'arrêterait quand il mourrait. Perds du poids, perds toi-même. Perds-toi dans la sombreur. J'étais en train de laver des verres derrière la caisse quand j'ai entendu la porte du café s'ouvrir. J'étais tellement heureux de voir que c'était cette fille mignonne qui était déjà venue beaucoup de fois dernièrement. Bonjour, est-ce que je vous sers votre commande habituelle ? Ah, bien sûr, merci. Vous pouvez aller vous installer. Je vous apporterai votre commande dès qu'elle sera prête. En regardant son joli minois, je la voyais rougir en réaction à mes paroles. Elle avait l'air si mignonne à avoir cette réaction. C'était décidé. Demain, quand elle reviendrait, je lui parlerai et lui dirai mes sentiments. Quand j'étais plus jeune, j'ai débuté le basketball à partir de l'école primaire, et ce, jusqu'à l'âge adulte. L'histoire que je m'apprête à vous narrer, je l'ai vécue lorsque j'étais lycéen. Je faisais partie du club de mon établissement. Nous étions toute une équipe à en faire partie. Nous étions au moins 12 personnes ayant rejoint ce club. Chaque été, nous organisions un camp d'entraînement avec tous les membres. Chaque journée était consacrée à l'entraînement de notre activité. Puis, ce jour-là, la réunion du soir s'est poursuivie très tard jusqu'au milieu de la nuit. Nous étions tous très fatigués dû aux entraînements intensifs auxquels nous participions. Mais c'était le dernier jour de camp et nous avons donc décidé de profiter afin de discuter les uns avec les autres, de nous détendre et surtout de passer un bon moment tous ensemble. Je ne l'ai pas précisé, mais notre club de basketball était mixte. Une fille, qui était partie aux toilettes, est revenue et s'est mise à compter les participants. On s'est tous interrogés et elle a expliqué qu'une cabine de toilette était verrouillée. C'était étrange car elle était la seule personne à être partie aux toilettes à ce moment-là. J'ai, moi aussi, compté les gens dans la pièce. Nous étions au complet, donc ce n'était pas logique. De plus, le camp d'entraînement était un endroit très petit. Il était donc impossible que quelqu'un y séjourne sans que nous nous en rendions compte. Et peu importait le nombre de fois où je comptais les personnes présentes dans la pièce, tout le monde était là. Certaines personnes, intriguées, sont allées voir dans les toilettes. Je n'y suis pas allée personnellement parce que j'avais peur. Mais il paraît que la porte était bel et bien verrouillée. Impossible de l'ouvrir. Les toilettes étaient dans un style occidental. Et donc, les plus âgés ont essayé de regarder sous la porte pour voir si quelqu'un se trouvait à l'intérieur. Soudainement, ils ont tous crié et sont revenus en courant. Ça avait l'air vraiment effrayant. J'ai ressenti d'énormes frissons parcourir mon échine. On a tous décidé d'installer nos futons et de se coucher rapidement afin que le temps passe plus vite. J'ai toujours eu énormément d'imagination, mais je suis assez froussard. Alors j'ai commencé à m'imaginer tous les monstres que je pouvais imaginer. La dame blanche, des samouraïs démoniaques, des hommes sans main. D'habitude, je m'endors très facilement.
En plus, j'étais super fatiguée. Pourtant, cette nuit-là, je n'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. À ce moment, il y avait un lycéen plus âgé que moi qui se trouvait près de la fenêtre. Il était allongé et ne bougeait pas. Je ne pouvais pas voir son visage ou aucun autre détail, mais je voyais très bien que c'était la silhouette de quelqu'un. Il faisait sombre, mais je jurerais qu'à un moment, j'ai vu un enfant à cheval sur le torse de ce lycéen. J'avais un très mauvais pressentiment. Mon corps est devenu extrêmement lourd brusquement et j'ai ouvert les yeux en grand. Tandis que j'étais allongée dans mon futon, j'aperçus 6 enfants autour de moi, au-dessus de ma tête. Ils étaient habillés comme les enfants l'étaient pendant la guerre. Ces enfants m'ont paru vraiment très étranges. Ils me fixaient tous, mais chacun d'une façon complètement différente. L'un fixait mon oreille, un autre mon bras, un autre ma jambe, un autre encore mes yeux. Ils fixaient tous une partie bien distincte de mon corps que eux n'avaient plus sur le leur. Celui qui fixait mon oreille avait le côté du visage arraché. Je voyais la main penchante, vide, de celui qui fixait mon bras. L'enfant qui fixait ma jambe se traînait au sol en rampant. Celui qui fixait mes yeux, non, je voulais pas regarder ce désastre plus longtemps. J'ai fermé les yeux en pensant très fort au fait que je ne pouvais rien faire pour eux. Je l'ai répété plusieurs fois dans ma tête. Puis j'ai commencé à sentir plein de petites mains glacées se refermer sur moi, sur mes épaules, mes poignets, mes chevilles, mes oreilles, se glisser sur mon visage, appuyer sur mes paupières. Et soudainement, la lumière s'est allumée. Le lycéen plus âgé a couru vers moi et m'a demandé si j'allais bien. En regardant paniquer les alentours, je remarquais que les enfants avaient tous disparu sans exception. Mais a priori, les autres aussi les avaient vus. Quand nous sommes rentrés du camp, nous avons raconté notre expérience aux autres lycéens. Et la nouvelle a vite fait le tour de la ville, et même au-delà de ses frontières. Depuis, il n'est plus utilisé. Personne n'a voulu y retourner les années suivantes. Je ne sais pas ce qu'étaient vraiment ces enfants mutilés. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai très mal vécu cette expérience. Il était une fois, une jeune fille qui était atteinte d'une grave maladie incurable. Les soignants de l'hôpital lui annoncèrent avec peine qu'il ne lui restait plus que 3 mois à vivre. 2 de ses amis venaient fréquemment lui rendre visite depuis qu'elle avait été internée. Cela lui donnait du baume au cœur, profitant ainsi de moments joyeux malgré la maladie. Ils essayaient toujours de lui donner le sourire, lui apportant des présents et lui racontant des choses incroyables qui se passaient dans leur vie quotidienne. Un jour, tandis qu'ils étaient tous présents dans la chambre, la mère de l'enfant décida de prendre une photo de ce dernier, tant qu'il avait encore la force de s'asseoir et de sourire. Ses 2 amis se mirent tous 2 de chaque côté de la fille, grand sourire aux lèvres, et posèrent pour le cliché. À cette époque, les téléphones portables avec appareil photo n'existaient pas. La photo fut prise par un appareil photo numérique. Une semaine après ça, l'état de l'enfant finit par se dégrader brusquement, sans raison apparente, et elle mourut. Bien avant d'avoir pu profiter des 3 mois annoncés par les soignants. Lors des funérailles, on pouvait entendre la mère murmurer en pleurs toute la peine qu'elle pouvait éprouver. L'enterrement fut l'événement le plus triste qu'elle ait pu vivre. Elle était inconsolable et est même restée agenouillée pendant plusieurs heures après l'enterrement de sa fille sur la tombe, déposant chaque larme sur la terre encore fraîchement retournée. Quelques jours après les funérailles, la mère réussit à calmer ses sanglots. Elle se souvint alors de la dernière photo qu'elle avait prise de sa fille. Elle fit donc développer la pellicule de son appareil par un professionnel. Elle ouvrit la petite boîte pleine de photos et commença à les regarder. Étonnamment, elle ne trouva pas la photo de l'hôpital. Inquiète, elle se rendit au magasin de développement photo et le professionnel prétendit ne pas avoir réussi à la développer. Peu crédule, la mère s'approcha de lui et le menaça. Elle n'hésita pas à hausser le ton. Il s'agissait tout de même de la toute dernière photo de sa petite fille lorsqu'elle était encore en vie. Elle insista encore et encore, en venant même aux larmes. Le professionnel finit par céder et, à contre-cœur, il sortit une photo d'un petit tiroir. Il ajouta qu'il vaudrait mieux qu'elle ne la regarde pas, mais que si elle insistait, il ne serait responsable de rien, car il l'avait prévenu. Il lui révéla donc la photo. La mère tint la photo entre ses doigts. Il y avait bel et bien les 3 enfants sur le cliché, mais l'enfant du milieu, qui était la petite fille malade, était visiblement morte. Son corps apparaissait atrophié. La peau noire de sécheresse, les orbites vides. À la place de cet enfant, on ne voyait qu'un horrible cadavre en décomposition. La mère poussa un cri d'horreur et, inquiète, elle fit appel à un médium pour savoir ce que cette photo pouvait bien signifier. Au début, il ne souhaitait pas se prononcer, mais sous l'inquiétude et l'insistance de la mère, il finit par déclarer « J'en suis sincèrement désolée, mais malheureusement, je ne peux porter que des mauvaises nouvelles. » Si votre fille a cette apparence sur cette photo, c'est qu'elle a été aspirée par les gouffres des enfers.
Bonjour, on m'appelle Shisan. Je suis une très grande adepte des réseaux sociaux, notamment Instagram, sur lequel je passe la plupart de mon temps. Je suis une utilisatrice plutôt peu commune puisque j'ai un nombre incroyable de followers. Il m'arrive donc de faire souvent des sponsorisations rémunérées et de pouvoir donc gagner ma vie grâce à ça. Je suis suivie par un peu plus de 50 000 personnes et, sans vous mentir, c'est quelque chose dont je suis incroyablement fière. Je poste très souvent des photos de moi dans des lieux que j'aime pour les partager avec tous mes followers. Souvent, ce sont des clichés pris par moi-même, donc des selfies. Ou encore par des amis avec lesquels je sors et que je mets en avant sur Instagram. Mes likes dépassent toujours les 20 000. Autant vous dire que dans ma ville, je suis comme une star que les gens reconnaissent aisément. Je reçois aussi énormément de commentaires par jour, ce qui alimente le flux d'activité de mon compte. Peu importe où je vais, comme je reçois fréquemment des DM ainsi que des commentaires, je suis obligée de passer la majorité de mon temps à lire et à répondre à toutes ces personnes qui me suivent. Je trouve ça assez drôle que des gens lambda suivent mon quotidien alors que je ne poste rien d'extraordinaire. C'est hallucinant de voir à quel point les commentaires défilent si vite en si peu de temps après le post de mes photos. On me demande souvent où est-ce que j'achète mes vêtements, quel make-up j'utilise ou encore chez quel coiffeur je me rends. Un jour, alors que je marchais tranquillement dans la rue, j'ai vu un commentaire très bizarre. Il disait « Je me demande si t'es aussi jolie dans la vraie vie. » Ça peut paraître anodin dit comme ça, mais c'est pas la première fois que je voyais ce compte commenter des choses un peu bizarres liées à mon physique. J'ai donc observé attentivement le commentaire en restant dubitative. J'ai alors remarqué que c'était pas la première fois que cette même personne laissait un commentaire. Elle l'avait fait sur plusieurs de mes autres photos. Et peut-être pour que je la remarque, j'ai ensuite lu un autre de ses commentaires qui disait « Aucun homme au monde ne te connaît aussi bien que moi. Rencontrons-nous. » En voyant que la personne avait laissé plusieurs commentaires d'affilée en si peu de temps, je me suis tout de suite douté que c'était un spam. Donc, un bot qui met des commentaires. Ça arrive très souvent quand on a un compte avec pas mal d'abonnés. J'ai donc décidé de le bloquer immédiatement. Comme ça, je pouvais être sûre qu'il ne reviendrait pas à m'embêter. Tandis que j'étais concentrée sur ma tâche, j'ai senti une main me tapoter l'épaule et je l'ai sursauté légèrement. Hey, salut ma Instastar, comment tu vas? Oh, bah super, et toi? Ça va, ça va. Encore sur Instagram? Oui, je regardais les commentaires de mes abonnés. T'as trop de la chance. Oh mais, ce serait pas elle, Shizan? La personne qui m'avait tapoté l'épaule était ma meilleure amie, Satomi. Nous nous connaissions depuis le jardin d'enfance. C'est quelqu'un qui avait suivi tout mon parcours et qui m'avait toujours soutenue dans chaque situation de ma vie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ce jour-là, nous avions décidé de nous donner rendez-vous dans un café en ville. On aimait beaucoup se retrouver dans des endroits bien différents de temps en temps, parce qu'on avait pris des chemins plutôt différents. Pour ma part, je faisais des études dans la mode, et elle s'était dirigée vers des études de commerce. Autant vous dire que nous ne pouvions plus nous voir aussi souvent que nous le souhaitions. Tous les samedis, nous nous retrouvions donc ensemble pour papoter et partager nos expériences à l'université. Nous discutions donc tranquillement, après avoir commandé quelque chose à manger, quand mon ami m'a dit « Oh, Chisan, regarde comme ce serveur est canon! J'ai trop envie qu'on lui parle !»« Oh, tu veux lui parler? Ok !» J'ai levé la main et j'ai appelé le serveur. « Excusez-moi !» Le serveur est arrivé très rapidement et nous avons entamé une petite discussion cordiale. J'aimerais échanger le menu A à la place du B que j'ai commandé tout à l'heure. Ça vous dérange pas? Oh non, non, absolument pas. En plus, vous aviez raison. C'est notre menu le plus populaire du moment. Oh mais, cette chemise que vous portez, elle viendrait pas de Beautilities? Comment le savez-vous? Vous venez de Kobe? Tu vois, je te l'avais dit, tu as un petit accent. Pendant que nous mangions, nous avons décidé de prendre quelques clichés afin d'alimenter mon compte Instagram. J'ai donc tapé la pause en mangeant, buvant du vin et même fait un selfie avec Satomi, ma meilleure amie. J'ai tout de suite reçu un bon nombre de commentaires. Ce resto est trop bon. Tu y as déjà été avec Asuka? Vous avez l'air d'être de super amis. J'arrive pas à imaginer quelqu'un d'aussi joli que toi. Pourquoi t'as échangé le menu B après avoir commandé le menu A? Tu as l'air tellement heureuse avec ce foutu serveur. Après être rentrée chez moi, j'ai pris le temps de lire les commentaires et j'ai vu le dernier envoyé. Je suis restée un peu figée, écran devant les yeux, et j'ai commencé à me poser de sérieuses questions. Est-ce que cette personne était-elle aussi dans le restaurant en même temps que moi?
J'ai cliqué sur le profil de ce compte et à ce moment-là, mes yeux rivés sur l'écran se sont paralysés. Le compte était entièrement composé de photos de moi et de rien d'autre. En description du compte, c'était marqué « Mon stock photo de Chi-san ». J'ai trouvé ça très effrayant et ça m'a fait me sentir très mal à l'aise. Est-ce que la personne qui détenait ce compte était la même que j'avais bloqué la dernière fois et qui avait peut-être fait un autre compte? Si c'était le cas, c'était juste trop flippant. J'ai tout de suite pensé qu'il fallait être complètement malade pour stalker une personne à ce point. J'ai donc pris la décision de passer mon profil Instagram en privé pour le moment. Dans l'instant où j'ai passé mon profil en privé, mon téléphone s'est mis à vibrer instantanément et j'ai reçu le SMS suivant. Pourquoi tu continues à me bloquer? Remets ton profil en public. Puis, mon téléphone a sonné directement après ces deux SMS. C'était un appel inconnu. C'était tout simplement terrifiant. Je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je devais décrocher? Est-ce que c'était le gars qui me stalkait? Si c'était lui, comment est-ce qu'il avait pu obtenir mon numéro? J'ai commencé à paniquer et j'ai balancé mon téléphone sur mon lit. Je suis allée dans une autre pièce pour prendre l'air à la fenêtre, le temps que le stress redescende. Quand j'eus terminé, je suis retournée dans ma chambre et j'ai récupéré mon téléphone. Et là, l'effroi. J'avais 50 appels manqués. J'étais effarée. Mon téléphone a de nouveau vibré. Pourquoi tu n'as pas répondu à ton téléphone? C'est toi qui as posté toutes ces photos pour que je les voie. Pourquoi tu me bloquerais à part pour m'emmerder? Je devrais peut-être te voir en personne, tu ne crois pas? Ce mec était complètement fou, c'était pas possible. Il n'avait rien de mieux à faire que de me stalker ou quoi? Ça craignait. Je préférais encore une fois le bloquer et je me disais que j'allais changer de numéro dès le lendemain. Il était hors de question que cette situation continue comme ça. Je ne le supporterai pas. Je me suis rendue chez un opérateur et j'ai finalement pu obtenir un nouveau numéro de téléphone. Un peu dubitatif parce qu'il s'était passé la veille, j'ai pris la décision de stopper Instagram pour le moment. Je pensais que c'était mieux, le temps que la situation se tasse un peu. Je pris la décision de partir me reposer en rentrant chez moi à Kobe. J'ai donc avancé dans la rue, puis j'ai appelé un taxi. Quand il est arrivé, je lui ai demandé de m'emmener à la station de Tokyo afin que je puisse prendre le train. Le taxi roulait doucement, tandis que je tapotais tranquillement sur mon téléphone. J'entendais une petite sonnerie de notification et j'ai regardé ce que c'était. Satomi m'avait envoyé un petit message sur Messenger. « Hey, tu as changé de numéro? Je te vois en ligne, mais c'est pas le même numéro. » Ouais, un mec trop bizarre sur Instagram a eu mon numéro et a essayé de m'appeler, alors j'ai décidé de le changer. Oh wow! Tu peux me donner ton nouveau numéro? Ouais, bien sûr, le voilà. 010-010-010. Tu peux juste garder ce numéro pour toi pour l'instant? D'accord. Tu fais quoi, là? Je rentre à Kobe pour me reposer un peu. Je suis en route pour prendre le train, là. Ah, trop bien! Prends-moi dans ta valise! Let's go! Le taxi a fini par arriver à la gare et je suis arrivée juste à temps pour monter dans le train. J'ai cherché une place libre et je me suis installée. Mon téléphone s'est mis à vibrer et j'ai décroché. Allô? C'est moi, tu me parles? Allô? Je ne vous entends pas. Ça a raccroché immédiatement après ma phrase. J'ai regardé mon téléphone et c'était un numéro inconnu, encore une fois. Je me suis demandé qui n'arrêtait pas de m'appeler et surtout, qui pouvait bien avoir ce numéro à part Satomi. Tandis que je me posais tout un tas de questions, un homme s'est assis près de moi dans le train. Il avait à boire et à manger dans la main. Je l'ai regardé de façon vive et j'ai pensé tout de suite qu'il était vraiment beau gosse. D'un seul coup, le train a freiné net et la boisson de l'homme s'est renversée sur moi, tachant mon haut. « Oh non, votre café! Vous allez bien, monsieur? Excusez-moi, je dois aller me nettoyer aux toilettes avant que la tache ne s'incruste. » J'ai couru aux toilettes nettoyer la tache au lavabo. Puis, je me suis rendue aux toilettes car je devais uriner. Tandis que j'étais assise sur la cuvette, j'ai reçu un message sur Messenger. C'était Satomi. « Tu as changé de numéro? Je te vois en ligne, mais le numéro n'est pas le même. » « Hein? Mais je t'ai dit que j'avais changé de numéro tout à l'heure. » « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas été sur Facebook de la journée. » « Attendez, quoi ? Alors ça voulait dire que... qui avait eu mon numéro ?» J'étais complètement flippée quand la porte des toilettes a toqué. J'ai tiré la chasse d'eau en me disant que quelqu'un voulait passer après moi. J'étais toute chamboulée. J'ai ouvert la porte tout en appelant Satomi avec mon téléphone. Et là, un visage affreux, rempli de haine, me faisait face. Un visage horrible, choquant. « Pourquoi as-tu mis ton profil en privé ? Ça ne fait que me rendre plus curieux.
Son sourire malsain resta gravé dans ma tête. Il a sorti un couteau et a donné des coups. Encore et encore et encore. J'ai hurlé de douleur tandis que la voix au téléphone Allô résonnait. Allô? Vous qui m'écoutez, avez-vous déjà entendu le mot Kui-O-Ga-In ? Vous n'en avez jamais entendu parler ? Pas même une fois ? Eh bien, laissez-moi vous raconter les origines de ce mot qui représente à l'heure actuelle ma plus grande peur. J'ai rencontré un Kui-O-Ga-In. C'était il y a 3 ans exactement. Je venais de terminer mon service militaire et j'ai décidé de reprendre mes études. Alors je suis retournée à l'école. Comme mes parents habitaient loin de l'établissement, je devais rester en internat. J'ai emménagé dans ma chambre 24 heures à peine avant la reprise des cours. On était censé être 2 dans la chambre. C'était que des chambres partagées. Moi, Kikuchi Ryo, je partageais ma chambre avec un dénommé Hirano Akio. Je savais pas du tout à quoi il ressemblait parce que je l'avais pas encore vu. Quoi qu'il en soit, je me suis pas gênée pour installer mes affaires où je le voulais. Comme il était pas là, j'imaginais que ça le dérangeait pas que je choisisse mon côté en premier. Pendant que je cherchais une prise électrique pour pouvoir brancher mon ordinateur portable, j'ai entendu la porte grincer quelque peu, ainsi que l'écho d'une voix dire. Excuse-moi. Un jeune homme s'est présenté à moi, immobile devant la porte. Il parlait d'une voix plutôt calme et un peu gênée. Salut. C'est bien la chambre 305 ? Je m'appelle Hirano Akio. J'ai commencé les cours cette année. Oh, alors c'est toi, Akio ? Heureux de te rencontrer. Il n'a pas dit grand-chose de plus, mais je pouvais observer une large cicatrice recouvrant la moitié de son visage. C'était flippant. Il a fini par entrer dans la pièce et s'installer à son tour, déposant quelque chose sur son bureau. Oh, ce sont des plats de bouffe ! Mais le frigo, il est pas là ! Non, c'est pas de la nourriture. Il a déballé ce qu'il y avait à l'intérieur de la serviette, et quelle ne fut pas la surprise, il en sortit une statue de Bouddha. Oh, une statue de Bouddha ? Waouh, c'est ouf! T'es un fervent croyant? Non, pas exactement. J'ai une espèce de... comment dire? De constitution atypique. Donc je dois avoir ce genre de choses autour de moi. Ça te dérange? Si c'est le cas, dis-le-moi. Ah, oh, c'est tout? Ok. Non, ça me dérange pas. Tu fais ce que tu veux, après tout. Je le trouvais un peu malaisant dans sa façon d'expliquer les choses. Il était pas vraiment sûr de lui. Il était hésitant. On aurait dit qu'il voulait cacher quelque chose et j'aimais pas trop ça. Mais bon, au fond, je le connaissais pas, je pouvais pas vraiment m'avancer sur quoi que ce soit. Alors j'ai décidé de laisser passer et de pas poser plus de questions que ça. 2 mois se sont enchaînés avec une vitesse ahurissante. Finalement, Akio et moi nous nous entendions bien et nous sommes même devenus de très bons potes. Il s'est juste passé quelque chose que je ne pensais pas être possible. Je me suis réveillée en retard pile le jour d'un examen. Il commençait à 10h et ma montre indiquait qu'il était 9h57 du matin. Il me restait 3 minutes pour courir jusqu'à la salle de classe. Je me suis donc précipitée en prenant mon sac et en passant devant la statue de Bouddha d'Akio qui était posée sur le bureau. Je pense que mon sac a dû s'accrocher dedans car elle est tombée directement par terre. Évidemment, manque de peau, j'ai vite remarqué que la statue était dans un état lamentable et elle était cassée. Oh merde, pourquoi faut que ça arrive maintenant? Je suis pressée! J'ai relevé les yeux et j'ai observé le visage figé d'Akio. Il tirait une de ses tronches. On aurait dit que j'avais assassiné toute sa famille devant ses yeux. Je me suis sentie tellement coupable que je me suis approchée de lui et je lui ai dit « Hé Akio, désolé, je suis en retard pour mon examen. Je recollerai ta statue directement à mon retour, ok ?»« Eh bien, tu peux pas réparer ce genre de choses comme ça. Je l'ai reçu d'un moine. Je pense que lui saura comment la réparer. J'irai le voir ce week-end. » Il attrapa les morceaux de la statue brisée dans les bras, puis a fini par ajouter. Mais le temps qu'elle soit réparée, je risque de parler en dormant. Alors, si ça arrive, je m'en excuse d'avance. Pas de soucis, Akio. Encore désolé pour ta statue. Je suis donc partie en direction de mon examen en vitesse, puis la journée a défilé rapidement. La nuit est très vite tombée et Akio et moi sommes allés dormir. Soudainement, en pleine nuit, alors que je dormais, j'ai entendu un bruit sourd provenant d'à côté de moi. C'était quoi ce bruit bizarre ? J'ai tourné la tête dans tous les sens, un peu paniquée, et c'est là que je l'ai vu. Juste éclairé par la lueur de la lune. Akio, en train de taper quelque chose au sol. Akio ? Mais tu fais quoi ? Je
pouvait apercevoir grâce aux rayons de la lune ses mains ensanglantées tapées au sol, écrasant la tête de la statue de Bouddha que j'avais déjà brisée. C'est comme s'il était devenu incontrôlable. C'est la chose la plus flippante que j'avais jamais vue de ma vie. Akio ? Akio, mais arrête ! Je me levais en trompe de mon lit pour le rejoindre. Il continuait frénétiquement à taper le sol et du sang giclait à travers la pièce. Akio, tu m'entends ? Je t'en supplie, arrête ça ! Quand je me suis approchée de lui, il s'est arrêté subitement et est resté immobile. Il a murmuré quelque chose d'une façon glauque et lente. Hein ? Il y a quelqu'un ici ? Je le voyais se relever avec difficulté, les mains défigurées par le sang. Non, non, je veux pas te déranger. Hé, mec, mais qu'est-ce qui va pas avec toi ? Tes mains vont bien ? T'as mal ? C'est pas équitable pour moi, c'est pas... Ne me dérange pas ! Je les ai tués ! Je les ai tous tués ! Et je te tuerai toi aussi ! Il s'était lancé vers moi, point pointé en ma direction. On aurait dit un fou furieux. Il a lancé la tête de Bouddha vers mon visage, et par chance, j'ai pu l'esquiver de peu. Je m'étais pas décalé de 2 cm. À l'heure actuelle, je serais dans un piteux état, voire même mort. J'arrivais pas à croire qu'il venait de me balancer ça à la figure. Je restais figé à mon tour, n'en croyant pas mes yeux. Soudainement, il s'est jeté sur moi et a posé sa main sur ma gorge. Il a commencé à appuyer dessus avec force, coupant ma respiration de façon nette. Crève ! Crève ! Ah ! Arrête ! Laisse-moi ! Arrête ! Je sentais ma tête tourner peu à peu. Cette sensation d'asphyxie était en train de me paralyser et de pomper toute mon énergie. Il était bien plus fort que moi, je ne pouvais rien faire. J'allais mourir, et je le savais. Dans un geste de désespoir, je lui ai mis un coup de pied au visage, espérant qu'il lâche ma gorge. Par chance, ma force était bien présente et il a volé sur 2 mètres. Je reprenais doucement ma respiration en crachant mes poumons. Hein ? Je l'ai regardé, sourcils froncés. M'attendant à ce qu'il se jette à nouveau sur moi dans une furie incontrôlable. Et à la place, il s'est stoppé, reprenant ses esprits. Hein ? Rio ? Y'a quoi, sale con ? Est-ce que je t'ai fait quelque chose ? Je l'ai fixé dans une incompréhension des plus totales. Je rêve où il ne se souvenait vraiment pas de ce qui venait de se produire. C'est comme s'il avait été possédé pendant quelques instants. Tu te souviens vraiment pas ? Non, explique-moi, je t'en supplie. Après avoir bu quelques bières, nous avons discuté tranquillement. Je lui ai expliqué ce qu'il venait de se passer, et vu sa tête, ça a eu l'air de ne pas le surprendre. J'arrive pas à me rappeler exactement quand ça a commencé. Mais quand j'étais enfant, cette silhouette sombre a commencé à apparaître dans mes rêves. D'abord, je ne pensais pas grand-chose de tout ça. Mais quand j'ai eu 6 ans, un jour, j'étais en voiture pour aller chez ma grand-mère, et ma silhouette sombre s'est tournée vers moi et elle m'a dit... Presque fini. Ça va aller. J'ai vu son visage s'approcher de moi subitement et... Et elle a continué. C'est fini maintenant. Tout est fini. On se verra la prochaine fois. Puis après ça, je l'ai vu disparaître. Et pour moi, ça a été le noir complet. Quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé la tête à l'envers dans la voiture. Je voyais mes parents, ils étaient ensanglantés sur tout leur corps. J'ai hurlé le nom de ma mère et de mon père. C'était effroyable. Finalement, je me suis rendu compte que nous avions eu un terrible accident de voiture. C'est comme ça que ça a commencé. Puis, quand j'ai grandi, je voyais toujours la même silhouette morbide. Elle se mettait debout au-dessus de moi quand je dormais. Elle penchait sa tête sur mon visage et me souriait de façon malsaine. Lors de mon absence, j'ai commencé à voir des choses que personne d'autre pouvait voir. Les gens autour de moi ont commencé à me faire du mal, et ça de plus en plus souvent. J'étais persécuté. Tout le monde parlait de moi dans mon dos et je me sentais de plus en plus isolé car les gens pensaient que c'est... moi qui causais des accidents. Mais le souci étant, c'est qu'à chaque fois, je n'ai aucun souvenir de ce qui se passait. C'est comme si quelque chose prenait ma place. Souvent, je me retrouvais seul et déprimé. Je m'allongeais et j'avais cette sensation de froid intense qui ne me quittait jamais. J'étais si seul. Et quand cette silhouette se collait à moi, je sais pas comment le décrire, mais c'était si chaleureux et confortable. Je voulais plus qu'elle me quitte. Je voulais juste tomber endormi comme ça, pour toujours. Waouh, ce que tu racontes, c'est complètement fou. Le pire dans tout ça, c'est que du coup, je suis parti vivre chez ma grand-mère, car mes parents sont décédés lors de cet accident. Un jour, j'ai eu un nouveau trou noir et
Quand j'ai ouvert les yeux, la maison entière était en feu. J'ai vu le visage de ma grand-mère au-dessus de mien. Elle était brûlée par le feu. Et elle m'a dit... Réveille-toi, fiston! Tu as réveillé! Tu peux m'entendre? Elle a pris mon visage entre ses mains et m'a dit en paniquant... Écoute avec attention, Akio! Tu n'as pas fait ça, compris? Tu n'as pas fait ça, tu ne l'as pas fait! Suite à ça, ma grand-mère a fini par se retrouver asphyxiée par la fumée de l'incendie. Tout le village est arrivé, tout le monde a cru que j'étais responsable de sa mort. Et à partir de ce moment-là, je suis resté tout seul. Alors j'ai décidé d'aller chercher un célèbre moine qui vivait pas loin dans notre ville. Quand j'y suis allé, il m'a annoncé quelque chose de complètement incroyable. Tu as une très inhabituelle constitution. Tu as la constitution Quihogain. En d'autres mots, les esprits sont dessinés en toi et font de ton corps leur réceptacle. Quand les esprits viennent vers toi, ils deviennent forts et peuvent même nuire directement à ton entourage. Ceux qui ont essayé de te protéger ont probablement souffert de beaucoup de violence. Les ressentiments des esprits sont bel et bien profonds, et ils apportent colère à tous ceux qui essayent de stopper ça. Je lui ai alors demandé ce que je pouvais faire, et comment est-ce que je pouvais stopper tout ça. Comment ? Comment ? Actuellement, il n'y a pas de solution complète pour résoudre ça, mais il y en a une où tu peux temporairement supprimer la rage des esprits. C'est là où il m'a montré cette statue du Bouddha. Et il m'a expliqué qu'elle était utilisée par les moines pour éloigner les esprits de la frontière spirituelle. Alors il fallait absolument que je sois sûr de toujours l'avoir près de moi partout où j'irai. Si la frontière spirituelle se cassait, alors les esprits qui sont avec moi pourraient à nouveau entrer dans mon corps et me refaire du mal. Alors il fallait que je fasse bien attention. Il m'a aussi donné ce bracelet enchanté que je dois absolument jamais retirer, sous aucun prétexte. Surtout si je dois m'éloigner de la statue. Waouh, cette histoire... Elle est complètement folle. Ryo, cette cicatrice, ce n'est pas une brûlure que je me suis faite avec de l'eau bouillante quand j'étais enfant. C'est une cicatrice qui vient du jour où ma grand-mère est morte par ce feu. Je suis restée le fixer, écoutant son histoire, et je n'ai plus dit mot. Je ne savais pas comment réagir à toutes ces révélations. Honnêtement, je me sentais très effrayée, mais je me sentais désolée pour lui. De plus, même si j'avais voulu changer de dortoir, j'aurais pas pu. Car à cette période de l'année, ça aurait été compliqué de faire le changement du jour au lendemain. Alors, j'ai décidé de rester. L'année a fini par passer tranquillement, et surtout rapidement. C'est alors que c'était déjà l'heure de la fête de fin d'année, avant même que je m'en rende compte. Pour fêter ça, nous avons décidé de sortir entre potes dans un bar. Nous avons bu jusque tard dans la nuit. J'arrive pas à croire qu'il est déjà si tard. Ouais, rentrons à la maison. Comment vous allez rentrer ? Akio était complètement ivre. Il tanguait de droite à gauche. Je l'ai donc pris contre moi pour l'aider à avancer car il n'était plus capable de le faire par lui-même. Il n'était presque plus conscient de ses propres actes. « Bon, allez, Akio, réveille-toi. Pourquoi t'as autant bu cette fois ?»« Attendez. J'ai absolument pas vrai. » Il devait s'appuyer contre moi pour pouvoir aligner deux pas. C'était compliqué d'avancer avec lui. Mine de rien, on n'aurait pas dit, mais il pesait assez lourd le bougre. Le souci étant, et que nous n'avions pas remarqué, c'est qu'Akio avait oublié son bracelet sur la table du bar. Nous étions tellement occupés à essayer de le faire sortir de l'établissement que nous n'y avons pas du tout prêté attention. Comme c'était de plus en plus difficile de le faire marcher, j'ai décidé d'appeler un taxi. Taxi ? Taxi ? Ah, mais pourquoi t'as autant bu ? C'est même pas vrai d'abord. Le taxi est vite arrivé et nous sommes montés dans la voiture. Le chauffeur a rapidement démarré la voiture. Tandis qu'on avançait, une discussion a débuté. Bonsoir, vous pouvez nous emmener aux portes de l'université de Tokyo, s'il vous plaît ? Ah, il a bu beaucoup ? Non, on peut retourner à l'intérieur. Bon, il a dû boire pas mal, visiblement. Il ne va pas vomir, j'espère. Ah non, vous inquiétez pas. Arrête de me pousser. Désolé, monsieur, il n'a pas l'habitude de boire. Arrête de me pousser, j'ai dit. Il n'y a pas de mal à ce qu'un petit jeune comme lui boive, pas vrai? Dans mon temps, on était bien pire, vous savez. Ah, je vois. J'imagine que vous deviez boire pas mal, vous aussi, quand vous étiez jeune, monsieur. Oh, ne me lancez pas sur ça. Nous buvions du soir jusqu'au matin, non-stop. Wow, vraiment? Mais c'est génial! Dégagez! Pourquoi il est comme ça aussi soudainement? Arrêtez la voiture! Dégagez tous les deux maintenant! Le regard d'Akio était rempli de vide. Il était immobile face à moi et me regardait avec son teint livide, comme s'il avait vu un mort. C'est quoi ton problème? Il reste encore un peu de temps avant qu'on arrive.
Il a commencé à paniquer et à attraper mes vêtements dans ses mains en hurlant. Dégagez ! Vous devez dégager ! Dégagez maintenant ! Tandis que la voiture roulait toujours, il m'a poussé contre la portière de celle-ci et nous sommes tombés en plein vol au sol, roulant sur une petite distance. Mais t'es complètement malade ! Qu'est-ce que tu fous ? C'est super dangereux ! C'est là que j'ai entendu le son strident des pneus du taxi. Ce bruit de freinage qu'on entend, mais qu'on sait que c'est trop tard. Devant nos yeux ébahis, nous avons vu la voiture foncer droit sur un camion. Un gros bruit s'est fait entendre. La voiture n'était plus. Je vous épargne les détails sordides quant à l'état de celle-ci. Attends, quoi ? Qu'est-ce qui vient de se passer, là ? Eh oh, t'as pas vu cette femme ? Quoi ? Mais quelle femme ? De quoi tu parles ? Dans le taxi, il y avait quelqu'un d'autre avec nous. Cette femme, tu l'as vraiment pas vue ? La femme qui cachait les yeux du conducteur ! Dans la lumière d'un lampadaire, c'est là que nous avons pu apercevoir un énorme sac à moitié ouvert d'où sortait la moitié de la tête d'un corps de femme dans le coffre du taxi. C'était inimaginable et complètement effrayant. D'un seul coup, j'ai eu la nette impression qu'elle avait ouvert les yeux. C'était incompréhensible. Finalement, après cet incident, nous avons décidé d'emprunter des chemins différents à Kyo et moi. Lui a fini par aller à l'armée et moi j'ai quitté le dortoir en pensant que tout était terminé. Parfois, je me demande ce qu'il a pu voir dans le taxi ce jour-là. Malgré tout, j'ai entendu dire que Akio s'était blessé à l'armée il y a quelques jours. Alors, j'ai perdu toute cette curiosité. Parce que la femme qu'il avait vue ce jour-là, cette femme qui cachait les yeux du chauffeur de taxi, elle a commencé à m'apparaître à moi aussi.